Bienvenue à notre émission hebdomadaire avec le Rav Shalom Arouche. Bon, Rav, merci beaucoup d'être avec nous. Merci, Hashem. Ça va, Shalom. Bon, Rav Hashem. Hashem. Kol ha'olam kolo. Fat Am Yisrael. Ouvrim. Yisrael kashim. Maintenant, tout le monde entier, en particulier le peuple d'Israël, vive des épreuves difficiles. Mais quand Amin Hamad, c'est Kula, mais Kula Had, les autres, il Hamad Alimuna. Et la guerre de tout un chacun, là où il se trouve, c'est une guerre sur la Emuna, sur la foi. Tamid, Trim Lahzik Emuna. Avoir une place, on va y me voir. Non, de manière générale, quand on vit des situations normales, il faut déjà, de manière de base, se renforcer dans la Emouna. Mais là, en ce moment, qu'on vit des choses qui sont pas, qui sont surnaturelles, qui sortent de l'entendement, alors encore à plus forte raison qu'il faut se renforcer dans la Emouna. Il faut qu'on se rappelle, c'est quoi la Emouna ? Il faut se rappeler que le Créateur de l'univers, il aime chacune de ses créatures. Il aime moi, il aime chacun d'entre nous. Et qu'on va avoir encore plus de bien et encore plus de bien. L'essentiel de la Emouna, c'est de savoir que le Créateur, il t'aime. En particulier, quelqu'un maintenant qui a des problèmes financiers, des problèmes de couple, des problèmes dans n'importe quel niveau de sa vie, qu'à ce moment-là, précisément, il faut qu'il se renforce dans la Emouna. Et c'est soit il va se renforcer dans la Emouna, ou du présent, il va tomber de sa Emouna. C'est-à-dire quoi se renforcer dans la Emouna? C'est précisément quand tu vois de tes yeux que c'est pas bien ce qui se passe. La situation n'est pas bien, mais tu sais que ce que le Créateur y fait, c'est que du bien. שאדם מחזיק באמונה מחובר עם המורה שהוא חי החיים לכן יש לו חיות ושמחה וכוח. Quand quelqu'un maintenant il arrive à attraper l'aimuna, il arrive à obtenir l'aimuna, à atteindre l'aimuna, alors il est concrètement parlant, il est relié à la source de toute la vie qui est Hachem, et donc il a de quoi, il a de la vitalité. Madame Nofel Halela Mahashava שבורי שונא אותו, אז המחשבה הזאת שהמחשבה הכי רעה שבעולם הזה. Le simple fait qu'un homme se mette à penser que Dieu le déteste, cette pensée en soi, c'est la pire des pensées qui existent sur cette terre. שבורי לא אוהב אותו, מתמד... Le simple fait qu'une personne maintenant se mette à penser qu'Hachem le déteste, ne l'aime pas, alors en soi, ça va détacher la personne de la Emouna et ça va l'attacher. Ça va l'attacher au mal. Il se détache du bien, donc automatiquement. C'est pas le Créateur qui fait du mal. Cette personne en question s'est détachée du bien, et automatiquement ça l'a attaché à du mal, mais celle qui s'est détachée d'endroit qui l'a conduit là où ça l'a mis. Dès que quelqu'un maintenant, donc il se met à penser maintenant du préserve qu'Hachem lui fait du mal, automatiquement, ça va engendrer chez cette personne
qu'elle va avoir des peurs, des angoisses. Elle va, c'est ce qui va se déclencher chez elle automatiquement. Un homme doit savoir que peu importe par quoi il passe dans sa vie, peu importe, Hachem, il l'aime. J'ai mérité d'écrire un livret, nous dit le Rav, qui s'appelle La joie de vivre, disponible en e-book, en audiobook, en... disponible de partout, très rapidement chez vous. Je vous invite à vous le procurer rapidement. Là-bas, le Rav il a écrit des paroles qui sont pas seulement de la Emouna, mais qui sont un cerveau droit, un intellect droit, que toi, en tant que parent, tu veux faire du bien à tes enfants, alors quoi, Hachem, il va être pire que toi, qui va pas vouloir ça pour toi. Toi, pour tes enfants, tu veux ça, et Dieu ne voudrait pas ça pour toi, qui a tué son enfant. C'est un intellect droit, c'est même plus de la Emouna, c'est une conscience droite, authentique. De manière générale, la Emouna, c'est justement là où l'intellect s'arrête, c'est là où démarre la Emouna. Mais là, ici, précisément, c'est une Emouna qui vient se reposer sur ton intellect, un intellect droit, d'une pensée droite et honnête. Un homme qui se renforce dans la foi, c'est-à-dire qu'il se renforce dans le fait que Hachem il l'aime, il se renforce dans cette idée, il lutte pour ancrer en lui que Hachem il l'aime, que Hachem il ne lui fait que du bien, Hachem il veut que son bien. Et l'inverse, quelqu'un qui se détache de la Emouna, c'est lui-même qui se fait du mal à lui-même, c'est pas Hachem qui fait du mal, c'est la personne qui s'est détachée de Dieu, en pensant que Dieu ne l'aime pas, que Dieu lui fait du mal, et en soi ça l'a attaché à des choses mauvaises. Et là, tout est possible. La porte ouverte à... Gouar pétard, mais même, je dirais Gouar pétard, ou pétard, pas... Azerchen, trim, l'azik memona, pala l'azéché, aboré, telachasteche, le yachar, il faut prier pour ça, il faut s'en faire l'émouna, il faut prier pour que Hachem te donne un cerveau droit, un intellect droit et une émouna complète. On a le peuple d'Israël, il passe en Israël et dans le monde entier, il passe de dures épreuves en ce moment. On voit qu'il y a une montée d'antisémitisme, etc. L'heure nous dit que ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe ce qui va se passer, Hachem, il nous aime. Non, ne pas s'embrouiller, de pas perdre pied à cause de ça, de pas se laisser perturber parce qu'on voit qu'il y a une montée d'antisémitisme, des événements de. Rester fort. Mais Bernay, qui est d'un, Koulam, Trimine Palel, Koulam, Messer, Brolo, Olam, mais c'est Palel chez Koulam, alors les restes. Il faut que tout le monde prie pour tout le peuple d'Israël dans le monde entier, que chacun prie pour tout le peuple d'Israël, tous les juifs dans le monde, et prie en particulier pour que tous les juifs du monde entier puissent monter en Israël. Le
Il n'y a pas d'endroit plus sûr au monde que la terre d'Israël. L'endroit le plus sûr au monde, c'est ici, en Israël. Je me rappelle quand on était au Maroc, on avait de tout, on manquait de rien. On avait une maison, on avait une boutique, on avait une parnassa, un moyen de subsistance. Et mon père de Marbani, il a eu, dit le Rav, il a eu une envie forte d'arriver en Israël. Tous les frères de mon père n'ont pas voulu. Mon père, il s'est entêté, et bon, Hachem, on est tous montés, on remercie Hachem qu'on est monté en Israël, qu'on a pu nous installer ici. Si j'étais resté au Maroc, je me disais, qu'est-ce que j'aurais fait? Ici, je me suis rapproché de Rabbi Nachman de Breslev. On a voyagé à Ouman. On a eu mérite d'ouvrir un monde de chesed, de Torah. פלל ולעלות לארץ ישראל. כמה ישירו אותי יהודים פה, ככה יהיה טוב טוב גם להם, גם כל עם ישראל, כל העולם. Il faut que tous les juifs du monde entier se dépêchent de monter en terre d'Israël, et plus il y aura de juifs qui vont habiter en terre d'Israël, et plus ça sera bon pour eux, ça sera bon pour tous les juifs ici présents sur place en Israël, et ça sera bon pour le monde entier. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, d'accord? Évidemment, elles ne sont pas forcément tout le temps posées pile poil quand vous les envoyez, parce que des fois il y a une liste, mais vous envoyez vos questions, on les pose. Bon, Hachem sans mérite, s'il y a des questions qui sont privées, on peut aussi les poser en privé, d'accord? C'est aussi une chose qu'on peut faire. Voilà, Bezrat Hachem. On vous rappelle aussi qu'il faut diffuser, il faut diffuser, il faut qu'on soit tous des ambassadeurs de la Emouna. Diffuser, c'est tellement facile aujourd'hui de diffuser en likant cette publication, en partageant cette publication, en transmettant le message. Bezrat Hachem. Alors, on a. Première question qu'on a aujourd'hui. Rav, j'ai cassé mes fiançailles, je suis une fille, mais je ne sais pas quoi faire, car même si je l'ai fait pour des choses qui me dérangeaient, je me rends compte que je suis prête à accepter les défauts de mon fiancé malgré tout. Que dois-je faire? Lui n'est pas revenu vers moi depuis cette rupture. Dois-je revenir vers lui? Rav, conseillez-moi quoi faire. Alors, Michi, on va mettre Annie, Shavarti et Aérosine, Shelly, Anisha, Avalani, le Medat Malasot, qui, la Mrotte, שאני שברתי אותה בגלל דברים שהיו מפריעים לי. כרגע אני מוצא את עצמי שאני מוכנה לקבל את החסכונות שמצאתי בחתני, למרות הכל. אז מה אני צריך לעשות עכשיו? כי הוא לא חזר אליי מאז שהתנתקנו, מהפרדנו. והאם אני צריכה אני לחזור אליו? מה הרב נהיה אצלי? קשה. מבין אותה. C'est très important déjà que le rêve vous comprend, c'est une épreuve difficile dans laquelle vous passez, c'est pas évident. Déjà, c'est important que vous et votre futur conjoint vous puissiez lire les livres que le rêve a écrit, le jardin de la paix pour les hommes et la sagesse féminine pour les femmes. Si votre futur conjoint il est prêt à étudier le jardin de la paix, alors vous pouvez revenir avec lui. C'est une épreuve. Alors vous pouvez vous reprendre contact avec lui pour voir s'il serait prêt. Priez sur ça. Et d'essayer de voir si, en prenant contact avec lui, si lui serait prêt à tuer le genre de la paix et à l'accomplir.
Zeburim Mushlamim. On ne trouve pas une moitié parfaite. Le futur conjoint ne sera pas parfait. Kol Hashem, mi shelo lamad tesefer v'gan haShalom. Celui qui n'a pas étudié Jardin de la Paix, il est dans une situation complexe. Et nous, t'as théorie, Hachem. Il n'est pas... C'est comme quelqu'un maintenant qui se met à conduire une voiture sans avoir passé la théorie, c'est un danger public, concrètement parlant. Donc tout le monde doit savoir que tous les hommes doivent étudier le livre Jardin de la Paix. C'est une obligation. חובר של שאלות תשובות שמה כתבתי תשובה לימוד בגן השלום מישהו קנה את הספר לא היה לו שלום בית למה את הספר היה לו שלום בית קנה את כל ספרים התקרב וקנה 150 ספר בגן השלום une personne qui a lu le livret il y a un livret qui sort sur les questions et réponses que Ravi fait. Et dans une des questions qui était posée là-bas, le Ravi répond qu'un homme, il doit aller au Jardin de la Paix, qu'il n'y a pas le choix. Lui, il a pris ça avec simplicité, il a vu cette réponse, il y avait des problèmes de paix conjugale conséquents, importants, il a acheté le Jardin de la Paix, ça lui a sauvé son couple. Il a décidé, après ça, de se procurer tous les livres que le Ravi a écrit pour compléter sa connaissance, pour pouvoir avancer. Et après ça, il a acheté 150 livres de lui-même, Jardin de la Paix, pour le diffuser autour de lui. Alors, Rav, c'est l'occasion de rappeler que on a un service Shidduchim. Et il faut, voilà, c'est important, quand vous êtes, si vous êtes en Shidduch, d'accord, si vous avez fait une rencontre, et vous avez peut-être envie d'arrêter pour une raison quelle qu'elle soit, vous devez demander à votre Rav. Si vous n'avez pas de Rav, demandez-nous, on demande au Rav. Mais ne prenez pas des décisions de vous-même. Des fois, il y a des cas où oui, ça peut être grave, c'est nécessaire, mais des fois, c'est pas le cas. Donc, pour éviter tout problème, il faut demander au Rav. Demandez à votre Rav, vous demandez à nous directement, commandez au Rav, pour que vous soyez dans la chaîne pour qu'il y ait un monde qui veut. Sachant qu'on a eu des cas de personnes qui voulaient arrêter, qui ont demandé au Rav, le Rav a dit de ne pas arrêter. Et bon, Rachem, c'est très heureux aujourd'hui. Donc, voilà. Et donc, en même temps, je vous rappelle qu'on a un service Shidduchim. Voilà, donc ne restez pas seul dans ce service Shidduchim. Le but en plus de ce service Shidduchim du Rav, c'est qu'il y a un accompagnement et je l'évoque. C'est pas simplement que vous amène vous donne un accompagnement pour vous aider vraiment à réussir votre couple. Et Rav, en même temps, moi ça me permet d'enchaîner sur une question. On a quand même des cas de personnes, vraiment, on ne sait pas quoi faire dans le sens où ils arrivent à un âge avancé, ils ont fait toutes sortes de zgoulottes et on n'arrive pas à leur trouver un zivouk. On n'arrive pas, que ce soit chez des filles, chez des garçons. Comment le Rav explique ça? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement parlant, quand on veut aider quelqu'un? יש מקרים שניסינו לעזור להם, הם עשו כל נסגולות, דברים, וקיצור, הם מגיעים ל-36, 37, בחורה, בחור, וממש זה נראה תקוע לגמרי בשמיים, לא יודעים מה לעשות איתם. העניין של הזיווגים, דבר הכי קשה בדור שלנו. Tout le sujet des rencontres, c'est la chose la plus difficile dans la génération, c'est l'épreuve, une des erreurs les plus difficiles dans la génération, me dit le Rav. Mais là, il y a שום דור. Il n'y a eu aucune génération depuis la création du monde où il y a eu autant de problèmes de mariage, de gens qui n'arrivent pas à se marier. C'est difficile pour tout le monde, pour les filles, pour les garçons, pour les parents. C'est une autre date ou là, c'est moi, j'ai mon cher mère. Ah ben non, côté. Zaki, vous n'arrivez pas à se faire la vote. Un gouvernement. Pour les hommes, d'avoir dit, la première piste qu'on doit travailler, c'est compléter son date. Mais la machine, c'est mes chouinés, Kilo. Emouna. Pour les femmes, c'est la Emouna. Alors, Thomas, il chante, c'est Khalimon Gan Emouna ou Rochmat Nashim? Arishon, qui est la date de ma prise. Gan Emouna. Voilà, donc le Rav, nuance importante, si on a un jeune homme et une jeune fille qui n'arrive pas à se marier, le jeune homme lui doit étudier en priorité le Jardin de la Paix, prioritairement, et une fille, elle doit étudier le Jardin de la Foi en priorité, pour pouvoir, si Dieu veut, trouver son mari. Il fait tellement de prières dans ce sens. Non,
בעיון, בגלל השלום. תבטיח לו. תמיד זה עובד. Il faut avoir en tête de manière claire, comme on avait dit, toute personne qui va étudier le jardin de la paix, tous les hommes qui ont étudié le jardin de la paix en profondeur, qui vont vraiment chercher à l'assimiler comme il faut, ça marche toujours. Ça marche toujours pour trouver sa femme. C'est la plus grande des ségoulas qu'il puisse avoir, c'est celle-là. Mais. Il faut évidemment remercier, c'est aussi quelque chose d'important de remercier pour les souffrances de ceux qui sont seuls, justement, qui sont célibataires, les souffrances du célibat, les affres du célibat, qui sont, c'est une chose difficile, de remercier Hachem, de faire le Chok HaTodah. Hein. Vous faites le Chok HaTodah, l'audio remerciement qu'on peut vous procurer, on a sur notre boutique, on a en plusieurs formats, audiobook, e-book, en format physique. Franchement, il faut le faire, il faut le suivre, c'est une recette que leur vie a donnée pas à pas. C'est difficile, très difficile comme épreuve, et c'est très douloureux de voir toutes ces personnes qui sont seules et qui souffrent de leur solitude. ça fait mal, c'est très douloureux de cette situation. Il faut prier pour tout l'âme Israël, que chacun puisse ressentir vous, que sa moitié. Et Rav, moi, une question que je pense que c'est important de poser. C'est une question auquel j'ai été confronté plusieurs fois et je suis content de m'en souvenir maintenant, de pouvoir la demander au Rav. Très souvent, ça arrivait dans le cadre du couple, et même de manière générale, que par exemple, on va dire à une fille, renforce-toi dans la tsinyout, Zrat Hashem, ça fait partie de ce qu'il faut, ou on donne des conseils à une fille ou à un garçon, et que la personne nous réponde, oui, mais ma copine, elle n'a pas fait ça, et pourtant elle s'est mariée. Oui, mais mon copain, il n'a pas fait ça, c'est marié. Donc, ça, c'est une question qu'on voit dans les noms de mariage, mais c'est une question aussi de manière plus générale. Et j'aimerais, là, c'est l'occasion, j'aimerais vraiment savoir ce que la même pense. Ani Samar, j'aime skir li shela, j'aime pas imrati shel tarav li kabel tada shel achem, kama paim ze kore li banyan shel hashidukhim, ve gam et ze shela, ze mashu klali gam, shechozer al atzmo, anashim amrim lahem, ta'asu kach ve kach, nagid la isha, tiye, tavod al atzniu, bo nagid, o amen adam, o la gan ha-shalom, ve mekabim tshuva, aval ha-chaver sheli, lo asa et ze, hu tchaten, lama ani kashur, ha-hu zavad bishvilo, bishvili, kilu, ani mekabel ta tshuva kazot, ve-anachnu, mamash, ze shayach la-shidukhim, ve gam bedarach klal, ze kore. אני למה אתה אומר לי שהבעיה של המעשה וזה, ויש לי חבר שהוא לא נותן זה, והוא גונה וזה, ומצליח. כל מיני תשובות כאלו, כאילו השני, מה הרב? תשובה כל כך פשוט, השם לא נותן לקרב אותך. לא, בוא נעשה סאפ, נגיד הרב, השם יתפר מפת תורה פושה. כאילו מי שחושב ככה, השם נותן לו לקרב אותך. לא. זה שעובד כל העולם, בלי לעשות שום דבר, שם... נותן לקרב אותו. Celui que justement tu vois devant tes yeux réussir, que justement sans faire d'efforts, etc. Ouais, mais Hachem, il ne lui donne même pas la possibilité de se rapprocher de lui, finalement. Ouais, autre. Mais toi, Hachem, on te lèkerev autre. Et toi, il te donne la possibilité de te rapprocher. Et c'est pourquoi il attend que tu fasses quelque chose. Mais... תקבל על שעשית משהו וזה יחזוק אותך ותתקרב להשם. Il veut que tu fasses quelque chose pour recevoir et que cette chose-là maintenant, du fait que tu vas faire et que tu vas recevoir en fonction de ce que tu as fait, ça va te renforcer dans le fait de continuer à faire, ça va te rapprocher d'Hachem. אז זה כלל להשם, אלו שקיבלו ככה ו... הם לא זוכים. C'est une malédiction, c'est des gens qui ont reçu sans recevoir. C'est une malédiction finalement. Et nous on est là à regarder ceux qui me savent, tu regardes celui qui est maudit, je vais être comme lui, mais toi t'as une chance que lui n'a pas. Aza, aza, c'est un pasouk. Chakot, Shlomo, Melech, Kotev, Chacham, Kol Adam, Et Asher, Yahav, Hashem, Yochia. C'est un verset explicite que nous dit le plus intelligent de tous les hommes, le plus sage de tous les hommes, le roi Salomon, qui nous dit dans Bekolet. C'est un passage du roi Salomon qui dit ceux qu'Hachem il aime, il leur fait des reproches. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut dire sur tous les tzadikim qui vivent toutes sortes de souffrances? Tzadikim aussi mal que tout. Des tzadikim qui font que du bien, alors pourquoi est-ce qu'ils ont des épreuves?
מה שדברנו בהתחלת של השיעור, האמונה השם אוהב אותי. לכן הצדיקים עומד ברב אליהם. מה שעובר עליו, השם אוהב אותי. והצדיקים באמונה. Ce qu'on a dit en début de cours, que l'essentiel de l'émouna, c'est de savoir qu'Hachem nous aime. Et les tzadikim, peu importe ce par quoi ils passent, ils ne s'embrouillent pas l'esprit, ils savent qu'Hachem les aime. Peu importe les difficultés, les souffrances par lesquelles ils passent. Mais alors, comment la guide chez... Mais Aïn chez l'âne, comment la guide chez Ahava, ma chère Hachem, c'est les tzadikim. Qu'est-ce qu'il y a d'un arcon, c'est l'arcon rime chez les tzadikim, c'est l'arcon rime. Lui, on y m'évine, qu'il s'est fait carré, il y avait des tzadikim, c'est mafri à la voda chalem. צדיקים מתחזקים, זה מביא טוב לכל העם ישראל. J'ai demandé au Rav, comment c'est possible de voir que Hachem, entre guillemets, nous, sur un être humain normal, ok, il a des épreuves, Hachem le rapproche, il a des souffrances, etc. On peut comprendre même des tzadikim qui font que du bien, qui au contraire ça les affaiblit, ça leur fait faire au final un peu moins de bien, puisqu'ils ont des épreuves, des souffrances. Le Rav m'a répondu que les tzadikim, quand eux ils ont ces épreuves là, ils se renforcent, et quand eux ils se renforcent, ça amène du bien dans le monde entier. Ça protège tout le peuple d'Israël, ça protège le monde entier. Sans le travail des tzadikim, le monde, il serait, je ne sais pas où il serait. Voilà. הם צריכים עוד שאלות. אוקיי, אז הוא מקריא ici que faire dans le shalom bayit quand rien ne rend heureuse sa femme. Une question qu'on a déjà entendue. On va voir qu'est-ce qu'elle leur pose. ישו שואל, מה לעשות בשלום בית ששום דבר לא משמח את אשתו, את האישה? Faut déjà premièrement bien étudier le genre de la paix. Parce que c'est possible que de manière simple, cet homme-là il fait peut-être des choses qui fait du mal à sa femme. Il rentre dans sa femme, il fait l'attaque, ça fait des attaques à sa femme. Alors il fait du d'un côté, il a fait souffrir sa femme sur certaines choses qu'il s'est pas rendu compte. Après, il ne comprend pas qu'elle n'accepte pas ou qu'elle est heureuse d'autre chose qui fait qui paraisse normal, mais tu l'as blessé juste avant. Il faut déjà vérifier que tu ne fais rien qui la blesse, concrètement parlant. Ça prend des choses, ça. Très bien. Il me dit, madame, j'aime qu'il y ait un gain à chalam. Vous pouvez mettre ça sur le côté. Ok. Comment ça, moi? Non, carrément. C'est pas possible. Si vraiment il a compris le genre de la paix. Alors, Zat Hashem. Assure chez vous une main de Begin Hashalom. Zat Hashem. Ok, Tourda Rabba. Merci pour les questions. Ken. Alors, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem Ibarar. Alors, au niveau de la Parnassa. Au niveau de la Parnassa, quelqu'un maintenant qui a un business, quelqu'un qui a une affaire, d'accord ? Comment est-ce que quelqu'un qui veut se développer dans les affaires, il est censé faire d'après la Emouna ? Mishesh lo arshav esek. Veu rotze itzmar. Esek itzmar. Lefi Emouna, ma otzech la'asot ? Afilo al piteva, fi ruchaniut. Ma rav matzia, ben adam sherotze la'asot atava. בצורה נכונה. צריכים לעשות הכל ביושר, באמונה, ולצד מסרות. faut faire tout de manière droite, avec אמונה, donner ses מסרות comme il faut. להתפלל. ברגע שמאשם דעת ולאי שענענו, אני אעשה כל דבר על פי התורה. Et de prier pour qu'Hachem nous aide à faire chaque chose d'après la Torah. Tout soit d'après la Racha, tout soit comme il faut. עכשיו, בן אדם ש... אם הוא לוקח, נגיד, עובד נוסף, הוא יודע שהוא יכול לעשות יותר, אבל בינתיים,
התקציב הזה הוא לא בטוח, אבל לא רחוק, לפעמים זה ככה, זה, הוא לא יודע בדיוק, אבל הוא יודע שאם הוא לוקח מדען אחד יותר, הוא יכול מהגבול להחלטות האלו. מה שהיה יכול לעשות שלא פרסה בעלה הגבול המודד בלי חובות. השם לא תלכה את הסיעות, לא? תשמח מלך ככה. Je demande au Rav, c'est quoi la limite quelqu'un maintenant qui a une affaire, peu importe, qui veut prendre un employé en plus parce qu'il voudrait développer, ou il veut faire quelque chose de plus dans son business, comment savoir c'est quoi la limite? C'est des fois oui, des fois non. Le Rav dit la limite, c'est déjà la première limite qui doit être claire, pas de dette. D'accord, il faut avoir de dette. Ok. Il m'a dit ma chouché, Nagui, il y a des choses qui sont les autres, il y a des choses qui sont les autres, דברים שככה, דברים ש... אפשר לעשות, אבל לא... לקחת את סיכון... כן, ז'מנור, זה דפוא, אני חושב, כשאנחנו עושים משהו, אנחנו יכולים לעבור בנפיס, את זה בנפיס, אתסטרה. בטוח, אני לא אומר, אנחנו לא נקבל גרנד דנג'ר בסוג הזה. אחרי, כמובן, כל אחד, אם יש לו שאלה, אתה יודע, יש שאלה פרטית על זה, אני אמנה אורה, אם אתם רוצים, בקרב מקרים פרטיקולריים, אור אנטן, כמובן, וואלה, אם אתם רוצים, אנחנו נחלק. ברוך השם. אוקיי, ו... Alors, Bézant Hachem, on a une question au niveau du chinour, au niveau de l'éducation. Dès qu'un enfant arrive à l'âge de 13 ans, qu'est-ce que le Rav y conseille pour pouvoir... Comment est-ce qu'on doit se comporter? Est-ce qu'il y a un changement au niveau des âges? En tout cas, dès qu'il arrive à 13 ans, « Ma Rav Matsia, le gamin chinour, le gars chez Ayeled, 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 le gars chez Ayeled. » צריכים להחלך אותם למצוות, בנים ללמוד תורה, אבל זה... Il faut préparer les enfants, évidemment, depuis leur plus jeune âge. La question qui me promène ici, c'est comment ne pas faire de reproches. השאלה, כאילו, קצת עמוקה פה, איך לא לעשות הערות, הילדים, כאילו, לא להתלונן, לעשות דברים כאלה, למה לא עשית, למה לא התפללת, למה אתה עושה דבר כזה, למה אתה מתלכלך, למה... איך? צריכים... כמו שכתבתי בסבב בגן יחוינו בארבא, שהחינוך צריך להיות בארבא, לא בעלות מאוד. Comme j'ai écrit, le dit le Rav, le livre, le genre d'éducation, dans ce livre-là, le Rav me dit que l'éducation doit se faire avec amour, et pas avec des reproches, pas avec des... L'homme chan ergil, c'est vraiment le SM est à... Parler là, c'est... Comme je... Il faut prier sur ça, Monsieur le Rav, comme la paix conjugale, il faut prier sur chaque chose, ça peut pas venir comme ça. En tout cas, le genre d'éducation, c'est un livre conséquent, le Rav donne beaucoup de détails, et qui donne une voie claire et nette comment éduquer les enfants. Il faut éduquer les enfants avec amour, pas avec des coups, pas avec des reproches constants, etc. Il faut que les enfants puissent grandir de manière qu'ils soient sains d'esprit. Et quand, Rav, quand on a un cas où il y a un enfant qui manque de respect, quand il y a le cas, il y a l'enfant qui manque de respect à sa femme. Et là, du coup, l'homme se met d'un côté le chinour, d'un côté Shalom Bayit. כשעכשיו, עכשיו, הבעל, הוא בסיטואציה שהילד שלו, הילדה לא משנה, מתנהגת בחוסר כבוד לאישה. אז מצד אחד יש לו עכשיו שלום בית, מצד שני יש את החינוך. מה ההנהגה נכונה במצב כזה? הוא עכשיו צריך לעשות משהו, הוא רואה שהילד עובד בחוצפה עם האמא או הילדה. מה? אם דבר ראשון, להגן על אישה. והדבר השני, נלכת את הילד בזמן בשר לדבר איתו. Première des choses, nous dit le Rav, il faut protéger sa femme. Première chose, on protège la maman, on protège sa femme. Deuxièmement, quand il, par rapport à l'enfant, dans un moment propice, le prendre de côté et lui parler. כשם מדברים איתו בזאת צורה רב. תמינו שההצלחה שלו בעולם, שהוא יכבד את אמא שלו. להראות לו את הטוב, כאילו? את הטוב שהוא יעשה, שהוא ישנה את ה... מידה.
Je demande à Rav, comment, une fois qu'on prend l'enfant de côté, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Le Rav m'a dit, lui dire déjà clairement que toute sa réussite dans le monde, c'est qu'il respecte sa mère. Et je demande à Rav, alors quoi, d'essayer de lui expliquer donc, les choses de manière, par le positif, d'essayer de lui trouver de manière positive comment l'aider à se détacher de son comportement. Attaché. Ah ben. Ah ben. Normal, on y va votre. בלשנינו צריכים לאהוב את האמא. כמו שאתה רוצה שאוהב אותך. אתה לא רוצה שלוש עולה לך על כל שכן אמא שלך. צריכים לעשות הכתובה שלה. Je dois dire à l'enfant, on dit le rave, entre le papa, je sais que je t'aime, mon enfant, ma fille, mon fils, mais il faut tout faire pour maman. Déjà, si déjà, tu veux pas qu'on te fasse du mal, t'aimerais pas qu'on te fasse du mal, t'aimerais pas que ça se passe mal pour toi, alors la plus forte raison pour maman, que maman elle fait tout pour nous. La sbirlo, ben... Ben d'ailleurs, ben... Maman, on est heureux votre... Je sais... On est l'homme à l'église, on est l'homme au chéhote, on est aux achetables, ben d'ailleurs, ben d'ailleurs, ben... מחבט את אמא שלך. אני לא... שמה אני לא מסכים. דיר על אנפן, מורגן, שסיק לתם. שסיק לתם, 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 שסיק Nous envoyer au Rav, et le Rav vous dirigera les filles. Voilà, c'est des chez l'autre. Alors là, j'ai reçu, on a une demande. Ken. Alors voilà, bon, Rachel, sinon, Firsam nous s'y retourne. On a publié une vidéo sur l'importance de la Tzniout, la Chashivut sur la Tzniout, ou Bifrat, l'Olofia, Barachatot, Zé, Vélo, Zé, Achol, le Kachel, Nagimarim, Vézé, Zmarti, Shamar, Macharav, Kshézé, Achal, Magormim, Zé, Makevet, Achidou, Zé, Rimki. מידע כנגד מידע השם, רחקו את הגבר הזה מ... ושם אמרתי, מי שמקבל לעצמה ממש להתחזק בזה, שהרב יברך אותה. On avait lancé un petit challenge pour les femmes qui prennent sur elle la tzniout suite à la vidéo qu'on avait fait pour parler de ça, de la tachem. Donc voilà, donc là on en a reçu deux noms, j'espère, mais je m'attendais à avoir plus de noms. En tout cas, voilà, ça va vous motiver peut-être à en faire d'autres. Toutes celles qui prennent sur le rav, brachot miyuchadot les Sarah, Sandra, Matmari, Myriam. Amen, amen. Et bracha pour un zivouk tov, les Esther, Cécile, Batsimcha. Simcha, zivouk shashana, pekalo. Amen. Voilà, donc bravo à celles qui sont engagées. Et j'espère qu'il y en aura d'autres si Dieu veut. C'est vadai que que ça va amener beaucoup de mariages si Dieu veut dans tout l'Amisraël. Dans ta chaîne. Nebech, trola, simcha, emouna, nizke, koulam, כולם תקרא אמונה שלמה, תפילה ותודה. Je bénis tous, que vous étudiez la Shalema, que vous vous rapprochez de la prière, de remerciement. Chazak, à la semaine prochaine, partagez, diffusez.